الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. يقول الإمام النسفي رحمه الله: الحي القادر العليم السميع البصير الشائي المريد. L'imam Nasafi, dans son Aqidah, il a mentionné, après qu'il a dit, le créateur de ce bas monde, c'est Allah Ta'ala, l'unique, Al-Wahid, Al-Qadim, qui n'a pas de début. Al-Wahid, c'est lui qui n'a pas d'associé. Al-Qadim, c'est lui qui n'a pas de début, qui existe sans début. Al-Hayy, c'est lui qui est vivant, c'est lui qui a l'attribut de la vie. Al-Qadir, c'est lui qui a l'attribut de la puissance. Al-Alim, l'omniscient, c'est lui qui a la science. Al-Sami', c'est lui qui a l'attribut de lui, c'est lui qui entend. Al-Basir, c'est lui qui voit, sans organe bien sûr, il entend, il voit, sans organe. Al-Sha'i, c'est lui qui a l'attribut de la volonté. Al-Murid, sont dans le même sens. Al-Sharh, Allah tabaraka wa ta'ala, muttasifun bil-hayati wal-qudrati wal-ilmi wal-sam'i wal-basar wal-mashi'a, wal-mashi'a hiya al-irada. فهو تعالى حي بحياة أزلية أبدية، قادر بقدرة أزلية أبدية، عليم بعلم أزلي أبدي، سميع بسمع أزلي أبدي، بصير ببصر أزلي أبدي، وهكذا شائن بمشيئة أزلية أبدية. الله تعالى a l'attribut de la vie, la science, la puissance, lui, la vue, la volonté. الله تبارك وتعالى est vivant par sa vie qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, le Tout-Puissant par sa volonté, par sa puissance, et Al-Alim, l'Omniscient, c'est lui qui a la science, et sa science n'a pas de début, n'a pas de fin, et son oui n'a pas de début, n'a pas de fin, sa vue n'a pas de début, n'a pas de fin, et sa volonté aussi n'a pas de début, n'a pas de fin. هذه الألفاظ لا تطلق على غير الله تعالى بالمعنى الذي تطلق إذا وصف الله تعالى بمعانيها. لما نقول السميع البصير يعني الذي يسمع كل شيء، البصير الذي يبصر كل شيء، العليم العليم بكل شيء. بهذه المعاني لا تطلق على غير الله، بهذه المعاني لا تطلق على غير الله، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا أحد من المخلوقين. Lorsqu'on dit pour Allah تعالى السميع، celui qui entend tout sans oreille. C'est lui qui voit, Al-Basir, c'est lui qui voit tout, sans organe. L'Omniscient, c'est lui qui sait tout. Et sa science englobe toutes choses. Alors là, ces attributs, on les attribue pas à une créature dans le même sens. Ah, même les anges, même les prophètes, même les saints, ils ne voient pas toutes choses, ils ne savent pas toutes choses. Ils ne sont pas le Tout-Puissant sur toutes choses. Les choses ne se réalisent pas par leur volonté. إنما لما نقول هذا عنده علم هذا عالم هذا يسمع هذا سميع هذا يعني يسمع بعض الأشياء هذا عنده علم ببعض الأشياء. Lorsqu'on dit oui, l'ange Gabriel il a la science, oui il a la science de certaines choses. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم il a la science, oui, dans certaines choses qu'Allah Ta'ala lui a donné. إذا الملائكة قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Si les anges ont dit gloire à toi, tu es exempt de toute imperfection. On n'a de science que ce que tu nous as donné. C'est ce qu'on a comme science. C'est ce que tu nous as enseigné, tout ce que tu nous as donné. فإذا إذا أطلق على الإنسان العلم عالم المتكلم أي بمعنى آخر ليس بالمعنى الذي أطلق على الله. Si on dit telle personne est savant, telle personne il a la parole, telle personne il entend ou il voit, c'est pas dans la même signification lorsqu'on attribue à Dieu. Lorsqu'on attribue à Dieu, c'est des attributs de perfection et personne n'a ces attributs. لما تطلق هذه الصفات على الله هي صفات كمال لا ليس فيها نقص وليس لأحد من خلقه صفة كصفتي ليس لأحد من خلقه صفة كصفتي. Il n'y a pas une créature qui a un attribut comme les attributs de Dieu. وهذا معنى قول الله تعالى ولله المثل الأعلى أي الوصف الذي لا يشبه وصف غيره
ولله المثل الأعلى. الله a les attributs de perfection qui ne sont pas comme les créatures, ils sont au-dessus des attributs des créatures. بل قال تعالى في آية أخرى فلا تضربوا لله الأمثال. Alors ne donnez pas à Allah Ta'ala des exemples en faisant la comparaison entre Dieu et les créatures. فلا تضربوا لله الأمثال, parce que Allah n'a pas de pareil, n'a pas de similaire. Allah ليس له مثل. فإذا كان ليس له مثل فلا تضربوا لله الأمثال. طيب, والحياة التي وصف بها غيره يعني حياتنا حادثة قابلة من حيث ذاتها للفناء بعد الوجود لأنها مسبوقة بالعدم. حياة nous on est vivant corps et âme. Allah est vivant sans corps et sans âme. Et notre vie accepte l'anéantissement parce que ça a été créé. S'il est créé, elle peut accepter l'anéantissement. كذلك علمنا وبصرنا يقبل الفناء. Notre science, notre vue, notre oui, notre volonté, tout ça accepte l'anéantissement parce que c'est des choses créées. Et nous-mêmes, on accepte le changement. Soit on augmente dans la science, soit on oublie. L'être humain ou les créatures acceptent le changement d'un état à un autre. Mais Allah Ta'ala est parfait et celui qui est parfait ne change pas. Celui qui change à la perfection, avant il n'est pas parfait. Celui qui change à l'imperfection, maintenant il n'est pas parfait. الذي يتغير إلى الكمال يرتقي يتطور يرتقي قبل ما كان كاملا قبل كان في النقص. هذا يجوز في حقنا. أيضا الذي يتغير إلى النقصان هو الآن ناقص, كالذي كان عنده علوم فنسيها نقص. فإذا التغير علامة النقص, علامة الاحتياج, علامة الحدوث. Le changement c'est un signe d'imperfection et c'est un signe qu'il est contingent, il est créé, il est créé. يقول المؤلف رحمه الله ليس بعرض ولا جسم. قلنا العالم أعيان وأعراض, أما الله تعالى ليس بعرض ولا جسم. Le bas monde c'est des corps et des attributs des corps et des caractéristiques, couleur, goût, odeur, mouvement, immobilité. أما الله تعالى ليس بعرض ولا بجسم. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas une caractéristique, Allah n'est pas un corps. Hein? Allah ta'ala n'est pas une caractéristique, on ne lui attribue pas la couleur, on ne lui attribue pas l'image, on ne lui attribue pas le mouvement ou l'immobilité. Et Allah ta'ala n'est pas un corps. Le corps, c'est celui qui a des dimensions, longueur, largeur, épaisseur, et qui est composé. Nous, on est composé de la chair, du sang, du nerf, des os, des cheveux, des poils et d'autres choses, de l'eau. Il y a dans notre corps du fer, du calcium, du magnésium. On est composé de plusieurs choses. Allah Ta'ala n'est pas un corps. Allah ليس جسما. الجسم ما تركب من جوهرين فأكثر وليس عرضا. العرض قائم بغيره لا يقوم بذاته. العرض les caractéristiques, il existe avec les corps, hein? les couleurs, les mouvements, l'immobilité, la science, l'ignorance, avoir, être heureux, être malheureux, c'est des caractéristiques. Ces caractéristiques auront lieu dans les corps. Tu ne vas pas mouvement tout seul, tu ne vas pas ignorance tout seul, tu ne vas pas voir science tout seul ou voir par exemple science tout seul. Non, c'est des caractéristiques, ils se trouvent avec les corps. Tandis que les corps ne dépendent pas de quelque chose d'autre. Par exemple, ce pilier, il existe en lui-même, le mur, le tapis, moi, le table, il existe en lui-même. Les caractéristiques existent avec les corps, mais les corps ne dépendent pas d'autre chose. Al-arad la yaqum bi dhati, yaqum bil asam. لا يقوم بذاته يعني لا يستقل بالوجود وحده من غير جسم من غير حجم. Le caractéristique il ne se trouve pas tout seul sans les corps, sans les quantités, sans les volumes. أما الجسم لا يحتاج إلى شيء آخر إنما يقوم بذاته. هلا هو لا يخلو من الأعراض. نعم, le corps il existe en lui-même, ne dépend pas de quelque chose, mais il est toujours avec les caractéristiques. On est d'accord, le corps soit en mouvement soit immobilité. Alors il est toujours avec les caractéristiques
il n'est jamais sans les caractéristiques. Et on a dit l'autre fois, les caractéristiques sont créées. Et les corps, pourquoi ils sont créés? Parce qu'ils ne sont jamais sans les choses créées. Al-a'rad hadithah, li'annahu yahduthu ba'duha b'inqida' al-ba'd. تأتي الحركة ينعدم السكون، يأتي السكون تنعدم الحركة، الحركات هذه متتالية. فالأعراض حادثة والأجسام حادثة لأنها لا تخلو من الحادث ولا تسبق الحادث، فما لا يخلو من الحادث ولا يسبق الحادث فهو حادث. قال سيف الدين الآمدي في كتابه غاية المرام في علم الكلام ما نصه: فإن قيل ما نشاهده من الموجودات ليس إلا أجساما وأعراضا وإثبات قسم ثالث مما لا نعقله. يعني لو المجسم قال لنا هذا. سيف الدين الآمدي من علماء الأصول، من علماء الأصول. on dit سيف الدين الآمدي parmi les fondamentalistes. il a dit dans son livre غاية المرام في علم الكلام: si quelqu'un nous dit ce qu'on voit c'est des corps, c'est des caractéristiques, et dire qu'il y a quelque chose qui existe et il n'est pas corps, il n'est pas caractéristique, c'est pas quelque chose qu'on peut la comprendre ou l'accepter par la raison. قلنا يقول الآمدي منشأ الخبط ها هنا إنما هو من الوهم بإعطاء الغائب حكم الشاهد. أنت ما تراه في المخلوق إما عرض وإما أعيان، يعني أجسام، فكيف بدك تعطي الغائب المراد من هنا الذي لا نراه وهو الله، كيف بدك تعطيه حكم المخلوق؟ alors il a dit l'amidi le problème ici le problème c'est que certains ils veulent donner le jugement à Dieu comme les jugements des créatures. Toi tu vois des choses créées, des corps et des caractéristiques avec les corps comme les couleurs, les mouvements, l'immobilité, le goût, les odeurs, tout ça c'est des caractéristiques avec les corps. Il a dit le fait de dire il y a quelque chose qui existe à part ça et ils disent on ne peut pas accepter, il a dit parce que vous voulez comparer Allah qu'on ne l'a pas vu avec les créatures qu'on les voit. والحكم على غير المحسوس بما حكم به على المحسوس والوهم كاذب. L'illusion ou l'imagination ne te donne pas une connaissance sûre. نحن قلنا العقل يعطيك علما يقينيا قطعيا، ليس الوهم. الوهم لا. أحيانا أنت لما بتقف على البحر تنظر إلى الشمس، أين تظن؟ تظن الوهم يقول لك الشمس غربت في البحر وهي ليست كذلك. الوهم لا يستطيع أن يتصور حالة لما خلق الله الماء والعرش ما كان موجود لا نور ولا ظلام، الوهم لا يستطيع أن يتصور هذا، لكن العقل يحكم أن النور مخلوق والظلام مخلوق. إذا كان الماء والعرش مخلوقان ولم يكن نور ولم يكن ظلام، لكن الوهم لا يستطيع أن يتصور. فلذلك في أمر الاعتقاد الأمور لا تبنى على الوهم والخيال، إنما تبنى على الاعتقاد، على العقل السليم. الاعتقاد يبنى على العقل السليم. جدي الوهم l'illusion ou l'imagination. Le mot وهم il peut être il a un mot plus en français hein, mais c'est presque l'illusion, l'imagination. J'ai dit si tu es au bord de la mer et tu vois le coucher du soleil, tu as l'impression que le soleil est rentré dans l'eau et ça c'est pas la réalité. C'est comme illusion. Et tu penses que c'est comme ça, mais c'est pas la réalité. J'ai dit, par exemple, si on te dit Allah a créé l'eau et le trône. La première créature c'est l'eau, après le trône, après le qalam, la plume suprême. C'est les trois créatures, les premiers. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de lumière ni de ténèbres, ni ténèbres ni lumière. Il n'y avait pas. Est-ce qu'on peut imaginer? Est-ce qu'on peut aller dans l'illusion et l'imagination à imaginer le trône et l'eau et il n'y avait pas de lumière ni ténèbres? On ne peut pas. Mais la raison témoigne, puisque Allah a dit وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ. Il a créé les ténèbres et la lumière. Mais pour nous, à l'imagination, on n'a pas l'habitude de voir, d'imaginer ça. Soit on est la nuit, soit on est la journée.
Et à un certain moment, on commence de début de la lumière, on voit la lumière légère, puis après, elle devient forte. Mais c'est pour cela, dans la croyance islamique, on ne s'appuie pas sur l'imagination et l'illusion, on s'appuie sur la raison. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'utiliser la raison dans l'aqida. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, inna fi dhalika la'ayatin li'uli النهى لأولي النهى أي العقل النهى يعني العقل وقد يشتد وهم بعض الناس بحيث يقضي على العقل بعض الأحيان بتوهم بتوهم حتى بيصير ما بعود يفكر مليح des fois l'illusion de la personne domine même sur la raison فبتقول لإنسان إنه طيب أنا ما حفينا ندفن اليوم الوالد وكذا خليك أنت هون حده ونحن رايحين نجيب الأكفان بقول لك لا ما أبقى حد الميت ليش ما تبقى حد الميت بقول لك بركي قام كيف بركي قام ما هو ميت كيف بدي يقوم فلكن الوهم يدفعه إلى أن يظن أنه يمكن أن يقوم ما إذا كان ميتا كيف يقوم Des fois, l'illusion, elle peut aller trop loin, à tel point qu'il suffit à une personne, bon, pour laver celui-là, on va acheter les linceuls, reste avec lui, surtout si tu lui dis, dors à côté de lui. Il dit, jamais. Pourquoi jamais? Ah non! Et s'il se lève la nuit, mais comment il va se lever? Il est mort. Comment il va se lever? Il est mort. Il te dit, s'il accepte, après, une fois que tu pars, lui, il part derrière toi. Il ne reste pas à côté parce qu'il a peur de se lever, que le mort se lève. مع أن العقل يقضي بأن الميت لا يتحرك. La raison juge que si quelqu'un est mort, il ne va pas bouger. فإذا عرف أن مستند ذلك ليس إلا مجرد الوهم، فطريق كشف الخيال إنما هو بالنظر في البرهان. يعني Pour faire dégager l'illusion, l'imagination, il faut vraiment utiliser la raison en utilisant les arguments et les preuves. مطلوب أن تستعمل الحجة والبرهان والدليل والعقل هو شاهد على ذلك يساعدك على ذلك. فإذا إن قد بينا أنه لا بد من موجود هو مبدئ من موجود هو الذي أبدأ أو خلق الكائنات. Alors la raison confirme qu'il y a quelqu'un qui existe qui a créé. Il y a quelqu'un qui existe, qui a créé le monde, qui a créé les créatures. Que le monde n'est pas venu tout seul, la raison n'accepte pas que la raison, que le monde est venu tout seul. Alors il y a un créateur qui a créé. ولا يجوز أن يكون له مثل لأنه لو كان له أمثال مثل خلقه لكان لجاز صح له ما يصح له. Alors Et ce n'est pas possible qu'Allah aura des pareils et des similaires. Ce n'est pas possible qu'il aura des pareils et des similaires. لأنه لو قلت أنت هذا مثل هذا وهذا الأول خلق الثاني بيقول لك واحد ولما لم تقل الثاني خلق الأول ما دام هما مثلان ها سي كلكان il dit Allah il ressemble aux créatures et Allah a créé les créatures quelqu'un il te dit pourquoi tu n'as pas dit l'envers puisque tu as dit ils sont pareils ils sont similaires إذن لا يصح أن يقال أن الله له مثل ولا بصفة بلا الصفات ولا même par un seul attribut هذه القواعد التي ذكرناها الإنسان إذا استعملها يقضي على الوهم. Ces règles, lorsqu'on utilise que, par exemple, on a dit le monde change d'un état à un autre et il a besoin de quelqu'un qui l'a fait changer. Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur et le créateur n'a pas de pareil, n'a pas de similaire. Parce que s'il a des pareils similaires, il lui arrive ce qu'il arrive aux créatures. Ces règles, lorsqu'on utilise, tu fais éloigner et disparaître l'imagination. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wa husna al-khitam. Nas'alullah an yataqabbala minna wa minkum as-salata wa s-siyam wa salih al-a'mal. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Na'am, na'am. Dak tzid al-di'tin al